Yo. C'est en 9-3 que j'ai pondu mes toutes premières rimes. Au début, je faisais pour le fun et non pour l'estime. C'est bien plus tard que le rap et moi sommes devenus intimes. Mais toujours dans la chambre, car mes textes valaient pas un centime. Les pieds au sol, mais la tête toujours dans les vapes. Stylo entre les doigts et les oreilles, toujours dans un casque. Amateur, je me croyais fort au mic avant que New School me mette une bonne claque quand leurs morceaux débarquent. Donc, être conscient, c'est là que j'ai commencé. Devenu passionné, je me voyais plus un jour y renoncer. Parler du quad, c'est souci pouvoir les dénoncer. Il faut que tu quittes ce tube. Premier morceau pour enfin me lancer. 97, le RAP part dans tous les sens. Malgré l'adolescence, je rappe déjà avec plein de sauce. Avec les potes, il faut se battre pour la reconnaissance. Et dans la même époque, ma fan connexe voit aussi la naissance. C'est ma chronologie. Plus de 10 ans déjà, je te relate mon histoire. C'est ma chronologie. Malgré les orages et les vents, j'ai pas fini d'y croire. C'est ma chronologie. Peu importe le temps, je sortirai du noir. C'est ma chronologie. Regarde-toi-même. 2001, l'année est noire dans tous les domaines. Le cœur mélancolique, j'ai la rage quand je me promène. Et pour les pauses, rares sont les aubaines. Mes textes deviennent de plus en plus tristes car j'écris quand j'ai des problèmes. Des mauvaises notes, prises de tête avec les remparts. La dèche qui me choque, m'exile au bled, digérer tout ça. La solitude soignée par l'écriture. De retour un an après, ma vie s'engage dans la même tournure. Toujours pas de cachet, mais je continue de cracher. En macro, car pour la vieille, ma vie, je risque la gâcher. Persévérance et passion enragée. Valère, une draft à côte barre, donc de l'ombre, je fus arraché. Pas pour longtemps, car toujours freiné par des obstacles. Compile qui rate et boycotté dans les spectacles. Malgré tout ça, en 2005, j'ai quand même le bac. Morale rehaussée par la même, ma passion pour le rap. C'est ma chronologie. Plus de 10 ans déjà, je te relate mon histoire. C'est ma chronologie. Malgré les orages et les vents, j'ai pas fini d'y croire. C'est ma chronologie. Peu importe le temps, je sortirai du noir. C'est ma chronologie. Regarde-toi-même, yeah. Regarde-toi-même. Aujourd'hui, pour marquer le coup, j'ai fait cet album. Les détracteurs m'attendent. Donc forcément, je dois mettre la gomme. Faire en sorte que tout le monde s'accorde. J'ai des sauces qui me soutiennent et code barre, c'est pour y mettre la somme. Je fais ce bise, franchement, non pas pour plaisanter. À chacune de mes rimes, c'est tout le quad que je viens représenter. Donc une spéciale à tous les crews qui ont su m'inspirer. Qui malgré les années et les tendances ont su rester vrais. Dans le game, j'ai trop la rage car j'ai des choses à dire. Je sors du quad, c'est avec la dalle que j'arrive. Trop déçu par ton industrie et ses artistes, car quand j'ouvre la télé, ce sont les mbouts et les faux qu'on admire. Je suis conscient que le milieu est tellement saturé, conscient que l'on n'obtient pas toujours le succès qu'on mérite. Que les deux et le respect ne sont pas assurés. Je rappe avec le cœur, tu peux le sentir dans chacun de mes titres. C'est ma chronologie. Pour les sauces, le quad et la rue, man. C'est ma chronologie. Ceux qui m'ont poussé à toujours viser le haut, man. C'est ma chronologie. Une spéciale à coup de barre et ma panne connexe, frère. C'est ma chronologie. Pour tous les coups.